Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite orange kawaii au crochet. Bien évidemment, si vous souhaitez faire simplement une orange sans dessiner le visage, vous pouvez le faire. Je vous invite tout de suite à me dire en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Pour réaliser notre orange, on va avoir besoin de laine. Donc moi j'utilise du fil de coton de la marque DMC Natura Just Cotton qui se crochette avec un crochet taille numéro 3. Je vais utiliser du coup pour les couleurs principales du orange et du vert. Et si vous souhaitez faire quelque chose de kawaii comme moi, vous pouvez utiliser de la laine rose ou encore un peu de fard à joues pour les finitions. Vous pouvez très bien réaliser ce modèle simplement, sans faire de kawaii. Vous pouvez juste faire une orange sans venir mettre des petits yeux et dessiner une bouche. On aura également besoin de fil de coton noir. Et encore une fois, si vous utilisez comme moi un modèle kawaii, optez pour des petits yeux sécurisés ou des perles. Enfin, on aura besoin d'un crochet taille 2,5. D'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. C'est un modèle très facile à réaliser. On va faire la majorité ensemble, notamment tout ce qui peut être point bloquant. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer la réalisation des feuilles. Et on passera ensuite au corps de l'orange. Donc pour réaliser les feuilles, on va devoir en réaliser deux. On va venir faire une maille chaînette de 10 mailles en l'air qui se trouve ici dessinée avec des petits traits. Là, jusqu'à ici, on a nos 10 mailles en l'air. Puis, on va venir faire une maille serrée. Donc ici, la petite croix correspond à une maille serrée. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Dans les 4 mailles suivantes, 1, 2, 3, 4, on va faire 4 brides. Ensuite, on refait une demi-bride. Dans la maille ici, la dernière, celle qui nous reste, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Du coup, dans la même, on fait 3 mailles serrées. On revient donc de l'autre côté de notre ouvrage. Puis on fait une demi-bride. De nouveau, 1, 2, 3, 4 brides. Ensuite, une demi-bride et de nouveau une maille serrée. Et on va unir ici par une maille coulée. Je ne sais pas trop ce que vous pensez de ce genre d'explication. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça parce que je vous avoue que je me perds totalement dans les diagrammes quand je regarde des magazines ou autres. Dès qu'il y a un diagramme, c'est la folie dans ma tête. Je comprends plus rien. Donc là, c'est pas un diagramme conventionnel. En général, moi, je fonctionne comme ça. Okay. Donc, dites-moi si vous aussi, vous êtes plutôt fan de ce genre d'explication en commentaire pour que je puisse vraiment à chaque fois vous proposer des façons très simples de réaliser les choses. Donc là, on va quand même réaliser une feuille ensemble pour que vraiment on soit sûr que vous ayez compris le concept. On va réaliser une feuille ensemble. On va accrocher. Voilà, notre crochet ici. Et on va venir faire nos 10 mailles en l'air. Et 10. On a 10 mailles en l'air. On va venir piquer du coup dans la troisième. On va sauter en gros, on saute ici et on vient piquer ici. Donc 1, 2, on saute et on pique là. On vient faire une maille serrée. Donc on fait, voilà, notre première maille serrée. On l'a fait dans le troisième brin.
Maintenant, on va venir faire une demi-bride. Donc, un jeté. On pique donc dans la suivante, ici. Un jeté. Et on ramène tout. Maintenant, on fait 4 brides. Donc, un jeté. On pique dans la suivante. Un jeté. Un jeté. Un jeté. On ramène. Voilà. Voilà, on vient de faire une bride. On va en faire encore 3. On fait un jeté. On pique. Un jeté. On ramène. Un jeté. On ramène 2 brins. Et un jeté, on ramène 2 brins. Encore 2 brides. De nouveau, on va faire une demi-bride. Donc, un jeté, on pique. Un jeté, on sort. Un jeté, on ramène nos 3 brins. Et pour finir, dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et on va en profiter pour cacher ce fil. Donc, on va piquer dans la maille ici pour venir faire une demi-bride. Là, on fait demi-tour. On a fait nos 3 mailles serrées ici. On pique de l'autre côté de notre ouvrage. Et on fait une demi-bride. Ensuite, on va refaire 4 brides. On fait de nouveau une demi-bride dans la suivante. Et on finit par une maille serrée dans la dernière. Maintenant, on va unir par une maille coulée. Donc, on unit. Voilà, hop. Par une maille coulée. Et voilà le résultat. On fait ensuite un jeté. Et on vient couper notre fil. On a nos 2 feuilles. On va réaliser le début de notre orange ensemble. Et si vous souhaitez passer directement aux fiches, avancez un peu dans la vidéo, je vous présenterai l'intégralité de la fiche pour réaliser votre orange. On commence en prenant notre fil vert et on va venir faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va réaliser 6 mailles serrées.
On commencera chaque rang par une maille en l'air. Et on va venir faire donc 6 mailles serrées. On va venir tirer légèrement et maintenant on va unir par une maille coulée, sauf que on va venir unir avec notre fil orange, comme ça on ne verra pas la séparation. On vient prendre notre fil orange, donc on fait une maille coulée dans la première maille serrée en prenant bien à chaque fois les deux brins. On prendra bien à chaque fois les deux brins maintenant qu'on va crocheter. Et on va attacher donc notre fil orange. Voilà, comme ça il ne se verra pas. On va tirer pour sceller notre cercle. Et on va venir donc couper le fil vert et faire un petit nœud pour venir sécuriser le tout. Donc là, on en a fini avec notre fil vert. Pour le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. Là, on fait une maille en l'air, comme au début de chaque nouveau rang. Maintenant, on va réaliser dans chacun de nos 6 brins une augmentation. Puis, on vient unir par une maille coulée. Et en fait, maintenant, jusqu'à la fin de notre orange, on va venir crocheter de la même façon, en rond. Du coup, moi j'ai avancé. Pas de panique, je vais vous donner les fiches tout de suite et d'ailleurs je vais aussi vous montrer comment faire un rang de diminution au cas où que vous ne sachiez pas comment faire. Donc là, moi j'ai avancé jusqu'au rang 19 et je suis venue fixer mes petits yeux de sécurité. Je vous montre le résultat. Pour le rang numéro 1, on fait un cercle magique à l'intérieur duquel on fait 6 mailles serrées. Et ça avec notre couleur verte du coup. Pour le rang numéro 2, on ne fait que des augmentations et on a 12 mailles serrées. Et à partir du rang numéro 2, on utilisera la couleur orange jusqu'à la fin. Pour le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation, etc. etc. On va faire ça 6 fois pour avoir 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation et on va faire ça encore 6 fois et à la fin on aura 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, pareil,
3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, etc., on aura 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on fait 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation, et on aura 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, on fait 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 10, on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation, etc., et on aura 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 11, on fait 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 12, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, etc., etc., jusqu'à obtenir 54 mailles serrées. Pour le rang numéro 13, on fait 54 mailles serrées. Pour le rang numéro 14, on fait 7 mailles serrées, une diminution. On va faire ça 6 fois et on va avoir 48 mailles serrées. Pour les rangs numéro 15 à 16, on fait 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 17, on fait 6 mailles serrées, une diminution. On va faire ça 6 fois et on va obtenir 42 mailles serrées. Pour les rangs 18 à 19, on fait 42 mailles serrées. À partir de là, on va pouvoir venir mettre entre le rang 13 et 14 nos petits yeux sécurisés. Donc, comme ceci. Ensuite, et on fera le rang numéro 20 ensemble si vous le souhaitez. Donc pour le rang numéro 20, on fait 5 mailles serrées, une diminution x 6, on aura 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 21, 4 mailles serrées, une diminution x 6, on aura 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 22, 3 mailles serrées, une diminution x 6, on aura 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 23, on fait 2 mailles serrées, une diminution x 6, égale 18 mailles serrées. Et pour le rang numéro 24, une maille serrée, une diminution x 6, égale 12 mailles serrées. Et pour le rang 25, on fait 6 diminutions et on aura 6 mailles serrées. Le fait que l'on répète chaque étape 6 fois, c'est parce que à la base, on a fait un cercle magique de 6 mailles serrées. Voilà pour la petite explication des 6. Là, pour ceux qui ont du mal avec les rangs en faisant des diminutions, je vais vous montrer donc comment on fait. Donc là, moi, je vais faire le rang numéro 20 avec vous. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre de la ouate ou n'importe quel autre rembourrage avant de venir fermer votre orange. Donc on fait une maille en l'air. Et on est parti. Je suis désolée, devant la caméra, j'ai toujours du mal à tenir mon fil de cette façon-là. Parce que je crochète comme ça, normalement. Mais avec la position que j'adopte devant la caméra, j'arrive plus du tout à tenir correctement mon fil. Enfin voilà, donc on va faire 5 mailles serrées. Je reprends juste bien mon fil. Une. Deux. 3, 4 et 5. Et là, on vient faire donc une diminution. Donc pour faire une diminution, on pique, on vient prendre notre fil, on le ramène, on pique dans la deuxième, on prend notre fil, on le ramène, un jeté et on ramène nos trois brins. Encore une fois, donc on vient refaire 5 mailles serrées. Puis, on fait de nouveau une diminution. On pique, on prend notre fil, on le ramène, on pique dans la seconde,
on prend notre fil, on le ramène, un jeté, et on ramène notre fil à travers les trois brins. Et voilà. Une dernière fois, donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Donc on pique, on ramène, on pique dans la deuxième, on ramène, un jeté et on passe nos trois brins. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me suivre sur Facebook et Instagram pour me partager vos créations. Et bien sûr, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !